Bonjour, alors j'aimerais que tu mettes tout de suite la vidéo sur pause et que tu essaies de faire cette soustraction-là. 64 moins 31. Je ne sais pas si ça t'a posé des problèmes, mais là on va le faire ensemble et on va d'abord commencer à bien réfléchir à ce que veut dire cette écriture-là. Alors là, quand je dis 64, ce nombre-là, 64, 6 et un 4, en fait le 6 qui est là représente 6 dizaines. Ça, c'est la place des dizaines. Donc on a ici 6 dizaines et le 4 qui est là, il est à la place des unités. Voilà. Donc quand je dis 64, en fait ce que je veux dire c'est que j'ai 6 dizaines, donc 6 paquets de 10 unités et 4 unités qui ne sont pas regroupées en paquets. Alors c'est exactement ce que j'ai dessiné ici. Hein. Là ici, chaque petit carré vaut 1 unité. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 unités qui sont comme ça, indépendantes. Et par contre là j'ai des unités qui sont regroupées par paquet. Hein, dans chaque bande, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités. Donc là, en fait, chaque bande représente une dizaine. Et je peux compter combien j'ai de dizaines. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines, 6 paquets de 10. Alors, je vais l'écrire. Hein. Donc ici, j'ai 6 dizaines. Et là, j'ai 4 unités. 4 unités. Voilà. Donc en fait là j'ai dessiné le nombre 64 hein, puisque j'ai ici 60, en fait j'ai 6 dizaines donc c'est 60 petits carrés et puis 4 petits carrés non regroupés qui sont ici. Alors maintenant on va regarder ce qui se passe quand on enlève ce nombre 31. Hein. Ici je, quand je dis 31 je dis 3 dizaines, ça c'est ce 3 qui est là il est à la place des dizaines aussi et une unité puisque ce 1 qui est là est à la place des unités. Donc je pars de 64 et je dois enlever 31, c'est-à-dire je dois enlever 3 dizaines et une unité. Donc je vais commencer par enlever les unités, donc j'enlève en fait cette unité-là. Ça, ce 1, ça représente une unité. Je vais enlever cette unité-là. Alors j'en enlève une ici, par exemple je vais enlever celle-là. Et donc je peux compter combien d'unités il me reste. 1, 2, 3. Donc j'avais 4 unités, j'en ai enlevé une, il m'en reste trois. Voilà. Alors je vais faire la même chose, le même travail avec les dizaines. J'ai 6 dizaines et je dois en enlever 3. Hein. Donc je vais enlever ces trois dizaines qui sont là. Alors je vais enlever par exemple celle-là, celle-là et celle-là. En tout, j'ai enlevé une, deux, trois dizaines. C'est bien ce qu'il fallait que je fasse. Et du coup, il me reste en fait... Ces dizaines-là, une, deux, trois. Donc ça, c'est les trois dizaines qui me restent. Voilà. Donc finalement, quand je fais 64 moins 31, eh bien, il me reste trois unités et trois dizaines. Trois unités et trois dizaines. Donc 64 moins 31, ça fait 33.